Les deux lignes des quatrains que nous allons découvrir représentent des marqueurs temporels. Elles permettent de comprendre que Nostradamus est en parallèle avec le décryptage. Ces lignes ont été mises à jour il y a plusieurs mois. L'événement concerne septembre 2019. Malheureusement, une petite déprime et je n'ai pas publié cette vidéo. Ces marqueurs temporels, placés judicieusement dans les textes, apportent la certitude que les événements de l'avenir, décrits dans les centuries, sont vrais. Ces éléments servent exclusivement à dater les quatrains diverses de la centurie. Nostradamus dit bien « le passé, le présent et l'avenir ne font qu'un », c'est-à-dire que le passé, le présent et l'avenir sont inscrits dans chacun des quatrains. Nostradamus nous décrit ce phénomène climatique dans l'espoir de nous faire comprendre que ce qu'il annonce se produira. Il se sert donc de ces marqueurs temporels afin que nous puissions identifier les quatrains représentant le présent. Ainsi, nous pourrons mieux définir l'avenir. En pratiquant ainsi, Nostradamus ne peut pas faire mieux pour nous avertir. À sa place, comment auriez-vous fait? C'est là où il faut se poser la question. Comment aurions-nous fait pour transmettre un message qui devait traverser les siècles sans être découvert? Dessous cette vidéo, vous avez mon logo. C'est un rond avec une explosion nucléaire. Cliquez deux fois dessus, vous découvrirez toutes les vidéos concernant les découvertes sur tous les textes de Nostradamus. Nous devons impérativement construire des abris hermétiques de protection, car les tempêtes et les conditions climatiques se dégraderont et se multiplieront de plus en plus, entraînant des pénuries de toutes sortes. C'est à nous de prévoir. Si vous désirez me soutenir, voici les deux adresses pour le faire. Même 5 euros sera le bienvenu. Je vous remercie infiniment pour votre don futur. Vous trouverez tous les livres pour tablette et ordinateur à fedimlivre.fr. Vous trouverez toutes les analyses à nostramusbp.fr ainsi que les livres papier. Maintenant, je regroupe à Terra Nova Var une page Facebook toutes les personnes qui désirent préparer une survie et ainsi permettre de se regrouper à travers chacun des départements de France. Lorsque vous vous inscrivez, veuillez inscrire votre numéro de département en gros. Une personne est venue de Charente-Maritime pour se joindre à moi afin de faire les plans des futurs abris et leur construction. De plus, nous avons découvert un fournisseur de containers de 6, 12 et 18 mètres de long à des prix variant entre 750, 1200 et 2500 euros pièce, selon la longueur. À cela, il faudra rajouter le transport qui doit être assez conséquent. Voilà, nous préparons donc les premiers abris à partir de containers et d'autres constructions similaires. Ces containers représentent la structure métallique idéale pour l'aménagement des abris. La décoration sera la plus simple possible, juste le nécessaire. Dans l'immédiat, sera de trouver un terrain pour commencer à faire une petite exposition d'au moins un abri. Voilà où j'en suis actuellement de la construction des abris comme je l'avais promis l'année dernière. Voici le quatrain numéro 11 de la troisième centurie. Les armes battent au ciel longue saison. L'arbre au milieu de la cité tombée. Verbine, rogne, glaive en face typhon. L'or le monarque d'Adrie succombé. Ce sera la ligne soulignée en bleu qui formera la révélation. Voici la ligne donc qui est soulignée en bleu. En 1, sera la volonté de voir la menace contenue dans les vers poétiques. Elle sera les heures du verbe. L'air des mots sera un pouvoir de naissance. Naîtront les heures de l'énervement des eaux. Ce sera l'époque de la géhenne. Elle sera une gale. La haine sera par d'importantes chutes de neige. J'ai dans ces notes mis le glas qui sera de même nature. En ayant la volonté de voir la menace, par des visions et ma présence fera faire cette première connaissance. En été sera un typhon d'une rare violence. Tu tisses ici même les faits par les sons phonétiques contenus dans nos vers poétiques. Les heures du verbe seront. Ici, il est bien certain que le typhon représente l'ouragan d'Orient puisque je travaillais sur la troisième centurie à sa publication lorsque je l'ai mise à jour. L'ouragan d'Orient a provoqué de graves dégâts en septembre 2019 sur l'archipel des Bahamas, le plus puissant jamais enregistré. N'oublions pas que les typhons, les ouragans ou les cyclones portent un nom différent.
mais ils sont les mêmes. Ils ne sont pas nommés différemment selon la puissance des vents ni selon leur intensité, mais par rapport à la zone géographique où se produit ce mouvement climatique. Ces puissantes tempêtes changent de nom selon la région du monde. J'ai un peu hésité à publier cette vidéo dans le courant janvier, car un ouragan, un gros coup de vent en Europe était annoncé, entre l'Espagne et le sud de la France. J'ai voulu attendre les résultats de cette tempête pour voir si on pouvait l'assimiler à ce quatrain également. Voici maintenant le quatrain 65 de la troisième centurie. Quand le sépulcre du grand Romain trouvé, le jour après fera élu pontife, du Sénat guère il ne sera prouvé, empoisonner son sang au sacré Sif. La ligne décryptée sera la ligne soulignée en jaune. Dans ce quatrain, nous pouvons remarquer que les S sont remplacés par des F. Voici le décryptage de la ligne soulignée en jaune, à l'endroit et à l'envers. En 1, la religion devra avoir sous les yeux le jour âpre, ce pouvoir proche par l'effet du feu, faire l'heure et avoir l'effet qui fera lever le pouvoir du pontife. Tu as nettement ici l'effet scellé sous les yeux. En 2, un typhon ici même aura le pouvoir des pleurs, l'heure aura cet effet. Il faut faire ces usages d'expressions qui seront âpres. Sera le pouvoir d'une erreur en ces heures, ce sera dans l'air des mots. À Rio, les eaux iront sur les marmites, les chaudières, le contenu des chaudières, les centrales nucléaires, les industries. Sera indiquée la durée de la vie en été par ce puissant typhon. L'usage, je le fis afin de tenir la haine des eaux. Ce puissant pouvoir dehors, le voir. Couvert d'un voile sera laissé dans ce savoir la durée de l'existence, de la vie et son arrêt. Par cet essai, vous connaîtrez les heures, vous pourrez avoir cet art dans les rues, voir et entendre les voyelles. La datation de ce quatrain sera septembre 2019. Pour les personnes qui ne connaissent pas mon travail, voici exactement comment tout a commencé. C'est bien plus complexe que cette apparence. Mais c'est de cette façon qu'on découvre l'écriture secrète de Nostradamus. Voici exactement une partie de ce qui a été découvert en 1989 et qui a permis l'ouverture des textes secrets. Nostradamus avait crypté son œuvre à partir des pieds poétiques. Il a créé le plus grand jeu de mots croisés du monde. Voici donc le principe de la construction de la prose. Construite selon le principe de Guy d'Arezzo, inventeur des notes de musique en l'an 1000. Voici la construction de la prose. Le premier quatrain se range verticalement par pieds poétiques. Étant, assis, de nuit, secrète, zédude, seul reposé sur la selle des reins. Les pieds poétiques s'enchaînent les uns au-dessous des autres. Voici comment nous devons construire la prose complète. Le premier quatrain se range verticalement, ensuite le deuxième à côté, le troisième, le quatrième et le cinquième, comme l'exemple vous le montre. Il faut ranger les pieds exactement comme vous le voyez actuellement. Le texte fera 100 pieds de large et environ 350 pieds de long. L'ensemble de tous les textes représente 1 million de mots, et ceci afin de pouvoir définir l'avenir de notre humanité. Pour lire Nostradamus, il faut connaître certains paramètres qui ne sont pas traités dans ce film. Par contre, ils seront traités dans la version longue, qui suit. Afin de mieux dissimuler son œuvre, Nostradamus avait créé un alphabet complet de substitution de lettres, permettant à ses textes de rester invisibles. Il est important de savoir, pour la compréhension des textes qui vont suivre, que Nostradamus a créé un alphabet complet de substitution de lettres. Nous en faisons une brève description incomplète, juste le nécessaire pour comprendre ce qui va suivre. Les F et les S en 1550 étaient imprimés de la même façon. Ainsi, l'écriture demande déjà un effort de compréhension. Nostradamus rajoute d'autres éléments. Ainsi, le F donnera naissance à un S ou à un C, un CCDI, un X ou un PH, et vice-versa. La formule s'écrit de cette façon.
F égale S égale C égale CCDI égale X égale PH. Les dés ont le même principe, D égale P égale Q égale B, et vice-versa. Ainsi que l'apostrophe. L'apostrophe donnera naissance à EL, LE, elle seule ou E tout seul, et vice-versa également. Les U seront égales à V, V égale U et vice-versa. La ligature sera égale à T, à ET, à TE, ou sera le diminutif de temps, et vice-versa. Voici à nouveau le rangement des quatrains dans la prose, mais cette fois avec l'exemple de mise en place des paramètres de lecture. Comme vous pouvez le constater, la prose se lit facilement. Les mots ont été transformés grâce aux paramètres de lecture et donnent jour au texte. Dans la ligne numéro 9, nous pouvons noter le nombre de mots utilisés pour la création de l'ensemble de tous les textes. Voici exactement le texte en prose découvert en 1989, construit selon les préceptes de Nostradamus. Les quatrains ont été détruits et reconstruits afin de donner ce grand texte en prose qui, d'apparence, est entièrement illisible, sauf si nous connaissons les paramètres de lecture. Ce sera à l'intérieur de la ligne 32 qu'un groupement de lettres permet d'envisager l'ouverture des textes. Le prénom Patrick est entré en France accidentellement en 1942. Ce prénom est d'origine irlandaise. Il est écrit phonétiquement. Et en 1989, celui-ci ne représentait pour moi qu'un grand hasard, dû au jeu des mots de Nostradamus. De plus, il était impensable que Nostradamus puisse s'adresser à quelqu'un de l'avenir en l'appelant par son prénom. Or, la suite des textes va nous prouver le contraire. Si j'avais été nommé Maurice ou Albert, jamais je n'aurais découvert cet élément permettant l'ouverture des textes. Au début de la ligne numéro 15, nous avons un mot qui va apparaître, Pau, plus loin, et l'apostrophe on, qui pourrait être le diminutif de Poléon pour Napoléon. Nous pourrions encore penser que c'est un concours de circonstances, mais un petit peu plus loin dans la phrase, nous avons Napoléon. Donc là, c'est certain, Nostradamus parle de Napoléon. Les lignes qui suivent, 16 et 17, concrétiseront la version de Napoléon et une partie de son existence décrite. Dans la ligne 17, au niveau de la deuxième inscription Napoléon, légèrement en dessous, nous trouvons le roi XVI. Le roi XVI, en prononçant 16, indique le roi Louis XVI, puisque le restant de la ligne indique sa destinée tragique, l'abandon du pouvoir et sa fuite de Paris, où il sera rattrapé et mis derrière les barreaux. Nous retournons à la ligne 32, cette ligne nominative qui a permis l'ouverture des textes, afin de découvrir ce que renferme cette ligne et quels sont les conseils éventuels que Nostradamus nous donne. Voici le contenu d'une partie de la ligne 32, nous révélant que le sens de la clé a été mis. Tu es, Patrick, tu feras ce pouvoir long et lourd souci. Il a mis ici le sens de la clé. Voici le quatrain numéro 50, indiqué par le quatrain numéro 11 par le mot « cœur ». Le cœur représentait le milieu de quelque chose. Et le milieu de quelque chose, c'était le milieu de la première centurie, qui comporte 100 quatrains. Donc le milieu, c'est le quatrain 50. Voici la révélation de ce quatrain. Il nous faut savoir que tous les textes sont nominatifs. Voici la sélection des pieds des lettres à fonction de mots du quatrain 50, la première ligne. En 1, tra s'inverse pour devenir ar. En 2, nef ou naïf deviendra le diminutif de naître, naissance.
F égale S pour NES, naissance. En 3, T sera un diminutif. T sera un diminutif de tu es. C'est un argot national. En 4, cite sera le diminutif de citation, diminutif et apocope de « et ». En 5, pli désignera une lettre. En 6, li sera le diminutif de lecture et de ligature, une lecture liée. En 7, nous voici arrivés à la première nomination. Nous apercevons qu'il y a un point d'interrogation entre « p », « tri », « que ». Ce sera la phonétique de « Patrick ». En 8, « ti », ancien français, désignera « tu ». En 9, « a » sera le synonyme du verbe « avoir ». En 10, « qu » sera le diminutif de « code », ancien latin. En 11, « a » sera également le verbe « avoir ». En 12, « l'apostrophe-de » sera le diminutif de « aider », de « l'aide ». En 13, « de » sera « de ». Et en 14, « de de » sera au même titre que « be » en ancien français, désignera Dieu. Voici donc la sélection des pieds poétiques et leur signification. C'est la première nomination qui est faite dans le quatrain numéro 50 pour bien montrer que les textes ont été découverts. Voici le récapitulatif de la ligne 1 du quatrain 50. Synthèse, art naïf naître, tu es cité, citation, lettre, lecture, liée, Patrick, tu accodes, avoir l'aide de Dieu. Et en langage de notre époque, de cet art naïf naîtra, tu es cité dans cette lettre, de cette lecture liée, Patrick, tu as le code en ayant l'aide de Dieu. Avec le parlant, nous arrivons à un tournant décisif sur la façon de comprendre les mots de tous les textes. Cet exemple va nous permettre de définir le principe d'analyse à effectuer sur toutes les lignes des quatrains, à l'endroit et à l'envers, comme nous le verrons plus loin avec le quatrain numéro 50. Dans cette action, nous avons inscrit 12 fois le pseudonyme Nostradamus. Le premier mot, ce sera « no ». Le deuxième mot, c'est « austre ». En ancien français, désigne le mot « autre », avec apocope de « es ». Trada. Ce mot à consonance latine aura l'avantage de nous faire penser au français traduction. Il sera du même groupe que tradito, traditus, traditio, traditor. Ces mots sont définis par les points voyelles. Nous verrons ces mots à la page suivante, complétant ainsi le message. Ensuite, nous avons R. R sera le diminutif de R des mots. Ici, ce sera la lettre pour le mot. A sera pour le verbe avoir. Ensuite, nous avons AD. En latin, cela désigne une direction avec une idée de mouvement. Nostradamus pratiquera de nombreuses fois l'homophonie approximative et la paronymie en utilisant des sons très courts et des mots très courts, tout en restant efficace pour l'énoncé. Ici, il indiquera « vers », les vers poétiques. Il se servira de la phrase en latin indiquant « vers » pour nommer le mot « vers poétique ». Ensuite, nous avons Adam. Ici, Adam sera le symbole du premier homme, Adam et Ève, définissant ainsi que ce sera le premier homme à découvrir le secret de cryptage. A sera pour le verbe avoir. Ensuite, nous avons âme. Âme avec apocope de E pour définir l'âme. Mus sera un élément déterminant. Il sera le diminutif du mot musique, avec apocope de hic. Rappelons-le, l'apocope, c'est rajouter des syllabes manquantes à la fin d'un mot. La syncope, c'est rajouter des syllabes manquantes au milieu d'un mot. Et l'aphérèse,
rajouter les syllabes manquantes au début d'un mot. Mus, en ancien français, désignera aussi le mot bouche. Les deux termes sont employés ici. Ensuite, nous avons us. Ce sera us et coutume et usage. S tout seul, ce sera la phonétique de être, pour le latin phonétique de E2SE.